Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur le miracle de la vie, le chapitre 6, on a bientôt terminé, donc la semaine prochaine à mon avis j'ai terminé, et ça tombe bien parce que du coup je vais commencer le nouveau jeu de Game House qui vient de sortir, qui s'appelle The Love Boat, le bateau de l'amour. Apparemment il y a Angela et Emily dedans, donc j'ai hâte de voir ce que c'est. J'ai pas trop vu d'image et tout, mais bon, de toute façon, comme je disais sur Twitter l'autre fois, il faut qu'ils arrêtent de sortir des jeux chez Game House parce que sinon je vais devenir une de leurs succursales hein, sur ma chaîne. Voilà. En tout cas, la dernière fois, on a appris le prénom des jumeaux. Donc il y a Vito Junior et Emilia. Donc je trouve ça un peu bizarre. C'est comme si j'appelais mes enfants Pixel Junior et Pixelina, quoi. Non, bah, Emilia alors qu'elle s'appelle Emily, la maman, c'est quand même trop bizarre. Voilà. Alors du coup, aujourd'hui, on va faire 3 ou 4 épisodes, et comme ça la prochaine fois on fera le reste. Voilà, c'est parti. Oui, donc Vito va bientôt décéder. Il a quand même 94 ans, donc on est triste parce que voilà, les gens nous manquent toujours quand ils décèdent, mais il aura quand même vécu une belle vie. Qu'est-ce que c'est? Gina et Tina vont-elles révéler le secret pour élever des jumeaux? Ah oui, parce que c'est vrai qu'elles sont jumelles, j'avais oublié. Allez, on utilise. Et on va acheter des trucs à la boutique parce que peut-être que j'ai un peu d'argent. Ça, c'est quoi déjà? Ah, attirant un client très curieux. Je ne sais pas à quoi ça sert. Allez, on va essayer de voir. Allez. Voyons voir. Allez, jouez. Ah. Oh non, je t'en prie, reste assise. Oh, comment vas-tu, ma belle? Oh, je suis éreintée. Je me demande comment font les autres parents de jumeaux. Ma mère se posait toujours la question. Attends, tu as dit jumeaux? Tu ne le savais pas, je pensais que le monde entier était au courant suite à mon accouchement en direct. Oh, on a rapidement interrompu le stream, ça a effrayé nos clientes. Alors, vous avez eu deux filles? Non, une fille et un garçon. Ah, zut, je n'ai acheté qu'un seul cadeau, des draps roses pour le berceau. Ah non, mais ça suffit! Oh, mais non, mais stop, d'accord. Allez, encore, ça continue. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, il y en a ras-le-bol, hein. Mais laisse-moi deviner, ce sont des draps bleus? Hein? Non, trop cool! Oui, comment tu le sais? J'aime bien sa coupe de cheveux à elle comme ça. Ok, ben voilà. Merci. Un peu useless, hein. Donc François et Angela, et heureusement qu'elles se reposent enfin. Alors attendez, déjà on va faire ça, on va recharger. Hop là, hop là, hop là, hop là. On va préparer un cookie parce que c'est ce qu'il faut faire en avance. Et puis bah de toute façon, il n'y a rien de nouveau, donc on se retrouve à la fin de la journée. Ah bah ben, voilà, j'ai bien fait. Ah, regardez comment on fait de la barbe à papa. Hop, on prend ça et on fait comment déjà? Comment on fait? On en reprend? Un petit coup? Ah voilà, très bien. Et vu. Et voilà, je sers. Et allez, à tout de suite. Et voilà, c'est la fin de la journée. Ça se passe plutôt bien, mais je vais encore être loin de l'étoile. Je ne sais pas. Alors regardez, du coup, on peut faire plusieurs couches et tout. J'ai découvert ça dans ce niveau. C'est plutôt pas mal. Et on va faire ça et on va lui donner. Lui et François, on va lui dire d'envoyer la. Voilà, regardez. Hop, hop, hop. C'est marrant. Et on fait ça. Et on encaisse tout le monde. Allez François, il faut nettoyer. Et vite, 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 où est ma souris? Ok, juste avant la fin. Et normalement, c'est tout bon. Et en plus, les tables sont propres. J'ai plus 20. Tout va bien. Alors voyons voir. Oh, regarde la petite famille, trop mignonne. Il y a des petites. Il y a François là-bas. Ah, voyons voir. Alors, à quoi dois-je m'attendre avec des jumeaux? Surtout, ne va pas croire qu'ils auront les mêmes goûts. C'est faux. Je détestais devoir fêter mon anniversaire en même temps que ma sœur. Ok, je vois. Oh, et ils développent à coup sûr un langage secret bien à eux. Les jumeaux sont malins, ils coopèrent pour arriver à leur fin. Et tu te souviens que quand on était ados, j'allais dormir dans ton lit pour que tu puisses faire le mur en douce? Et de la fête au lycée, tu avais emmené Kyle Lachenmeyer à l'étage et je m'étais caché. Ok, ça suffit, merci! Allez, contente-toi de suivre ton instinct et tout ira bien. Oh, si tu as besoin d'aide, apporte les bébés à la boutique et on prendra le relais. Oh, ça c'est des copines. Trop sympa. Bon alors, il y a quoi comme nouveauté là? Est-ce que je peux acheter des trucs? Mais en fait, comme je fais pas les défis, j'ai pas beaucoup de. Oh, regarde ce. Oh, c'est joli ça. Combien ça vaut? 7, zut. Et ça, combien ça vaut? 6 en rouge. Non, en vert, pardon. Très bien. Allez, on achète. Très bien. Moi, ça me va. Ah, quoique. Ah, le petit chaton. Non, mais écoute, on va faire ça. On va prendre en vert. Comme ça, c'est pas stéréotypé encore. Oh, dis papa, je peux jouer avec? Ouh, est-ce que tu prends une photo? Non, merci. Allez, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Allez, on se dépêche, mais dis donc. Il faudrait qu'on puisse passer quand même. Allez, au revoir, Paige. Très bien. Allez, niveau suivant. Ah oui, alors attendez, c'est quoi ça déjà?
Ah, voilà. Rétablis-toi vite. Ton grain de folie illumine nos vies. Allez, je rends l'argent des abonnés. Et hop. Vous avez vu, je sais même faire l'accent en majuscule trop fort, non? Oups. J'ai bugué. Voilà. Allez, on est parti. Voilà. Alors, Paige est aux anges en compagnie de tous ses enfants. Prêtez attention à ses requêtes. D'accord. Alors, voyons voir. Préparation rapide, utilisée. Boutique. Qu'est-ce qu'on va acheter avec tout cet argent? Pas assez pour ça. Ok, j'achèterai ça quand j'aurai un peu plus d'argent. Allez, jouez. Oh, regardez, il y a un nouvel truc là. Oh, ah, bonjour les filles. Elles aussi, elles ont accouché. C'est trop mignon. Regardez. Oh mon dieu, ils sont adorables! Je te présente Hélène. Et voici Jackson. Oh, nos bébés vont pouvoir jouer ensemble pendant des heures, ensemble, deux filles et deux garçons. Bah oui, c'est pas parce qu'il y a deux filles qu'il faut qu'elles jouent ensemble et deux garçons qu'il faut qu'ils jouent ensemble. Ça suffit là. Vraiment, j'en peux plus hein, de ce jeu. Tu peux les prendre? Ça ne me pose plus de problème de tenir deux bébés en même temps désormais. Je. Oh, bah voilà. Coucou Paige. Paige, Hélène et Jackson. Maman? Combien de bébés tu as eu? Oh là là, pauvre Paige, j'ai complètement perdu. Allez, nouveau produit, on va quand même préparer un biscuit. On va recharger ça là, comme ça. On prend le cookie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Comment je fais pour avoir des glaçons? Ah, d'accord, vas-y, fais-moi de la boisson encore. Vas-y, fais-en plein. Ah, d'accord. Très bien. Ah, bah ça tombe bien. Regardez comment on fait un super gâteau. Voilà, je donne. Oh, je m'occupe de Paige, elle est jalouse. Oh là là! Oh là là, tout ce qu'il faut faire, ok. Alors regardez, j'aime bien ça. Hop, 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 hop. Et hop, 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 hop. Et ensuite, une boule de chaque. Et on donne ça au gourmand. Et c'est parfait, on recharge. Allez, bon, voilà, je crois que ça reste du classique. Vous avez vu comment ça se passe. On se retrouve à la fin de la journée. Et voilà, c'est la fin de la journée. Magnifique. Bon, ça se passe bien. Hein. Là, en plus, j'ai déjà les 3 étoiles alors que la journée n'est pas terminée. Donc, que voulez-vous? Oh là là, mais alors attendez, eux ils viennent à peine d'arriver, c'est n'importe quoi. Alors attends, d'avoir encaissé parce que sinon ça va pas le faire. Ensuite, eux ils veulent ça, il faut que tu nettoies François. Et ensuite, on fait ça. Et normalement, c'est tout bon, la commande elle est prête d'un coup. Eh bien, il faut attendre. Et regardez, du coup, c'est Emily qui porte. On va faire ça juste pour le principe, qui porte les deux autres bébés, c'est eux qui portent les bébés. Et Paige, bon, en gros, elle a posé plein de questions sur les bébés. Enfin bon, du classique. Allez, les gens là, on se dépêche de manger vite, hein. Avec les triplettes de Belleville là. Allez, je t'encaisse. Allez, ben merci. Au revoir. Ah, ben en fait, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Très bien, vous avez eu tous les cadeaux et tout, oh là là. Alors, voyons voir. Oh, enfin, un moment de paix. Ma famille doit l'être avec 4 bébés à chouchouter. Oh, à propos d'être aux anges, t'as vu combien de personnes ont visionné ta vidéo? Il y a des milliers de commentaires, la plupart ont été écrits par des mamans. Elles sont encore plus fans de toi que les cochons de la boue. Alors ça, c'est un drôle de compliment. Hein. Tu dois revenir sur Internet au plus vite. Oh, je dois absolument supprimer cette vidéo, merci de m'avoir fait penser. Ah, oh, mais tu n'as pas le droit. C'est tellement réaliste, tellement toi. C'est un compliment, ça? Mais oui, les gens aiment que tu sois si naturel, tu leur ressembles pas comme ces stars de télémillionnaires refaites de la tête aux pieds. Mais qu'est-ce qu'elles ont, mes dents? Oh là, tellement naïve, elle rigole, comprend pas ce qui lui arrive, voilà, trop drôle. C'est bon, je vois où tu veux en venir. Je continuerai à faire des vidéos de cuisine, mais ce sera en montant. Les enfants passent en priorité. Oui, youpi, on est trop contentes. Oh là là, d'accord. Allez, l'homme derrière le clown Bonzo. Ah non, mais par pitié. Ça suffit, Bonzo, là. Le mec qui nous avait tellement saoulés à l'hôpital, là. Allez, on est parti. C'est bizarre ce temps de chargement alors qu'on en vient, quoi. Allez, voyons voir. Oh, il y avait un magnifique macaron, j'ai vu. Eh, lâche mon truc à Barbapapa, s'il te plaît, là. Ah! Docteur Bonzo, je voulais vous remercier pour les exercices de préparation à l'accouchement l'autre jour. Figurez-vous qu'ils m'ont été très utiles lorsque j'ai accouché dans ma cuisine en direct sur Internet. Je tenais également à vous présenter mes excuses pour Maître Montessi. Oh, détestable, c'est le mot, je suis navré. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez? Émilie? Émilie O'Malley?
Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre, je suis le docteur Goldman. Toutefois, je me ferai un plaisir de le biper si vous le désirez. C'est un bon ami à moi. Ok. Ah, du coup, la barbe à papa est blanche, on peut faire blanche et rose. On devrait peut-être le laisser tranquille. Regardez-le, non, c'est lui. Ah, d'accord. Je plaisante, docteur Bonzo, à votre service, vous êtes toutes pardonnées. Oh, genre, complètement dépité. Ah, je le reconnais bien là. Non, mais d'accord. Ok, c'est déjà le début de la journée. Alors, regardez, nouveau produit. Déjà, on va charger ça. Ensuite, on va charger ça. J'adore les macarons. Et en plus, ceux-là, c'est mes préférés, ceux qui sont à la framboise. C'est ma pâtisserie préférée, je crois. Les gros, gros macarons comme ça, avec plein, plein de trucs dedans, là. Voilà. Alors, attendez. Bah, du coup, j'ai pas pensé. On va faire ça. Oh là, regardez. Bah, voyez, quoi. On peut être un homme et être vêtu de rose, voilà. Allez, bah, on se retrouve à la fin de la journée, voilà. Et voilà, c'est la fin de la journée. Ça reste du grand classique. Mon Dieu, j'ai oublié de l'encaisser, la pauvre. Bon, bah, du coup, j'ai perdu un petit cœur. Oh, là, ok. Allez, 1, 2, 3, 4, on fait. 1, 2, on fait. 1, on fait. On prend un livre, on donne. On donne. Et on encaisse le monsieur. On attend que les enfants, ils aient fini de manger. Et puis, ben, voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'il y avait un truc nouveau. Si, voilà, c'est ça m'a perturbé, en fait. Du coup, à un moment donné, vous avez vu, ils demandent des trucs comme ça. Je me dis, mais tiens, mais c'est quoi ce truc? Je reconnais pas. Et c'est là que j'ai vu. Voilà. Alors, vous voulez pas vite finir? Comme ça, je peux encaisser les deux en même temps. Voilà. Vas-y, François, va nettoyer. Et voilà. François, nettoie avant la fin de la truc pour les tables propres. Ah, voilà, très bien. Le bonus table propre. Voilà, c'est trop bien. Voilà. Eh ben, c'est trop cool tout ça. Allez, est-ce qu'on fait un épisode de plus? Comme ça, la prochaine fois, on garde les 3 derniers épisodes pour la dernière fois qu'on se voit. Mesdames, veuillez m'excuser, mais je dois vous quitter, je dois aller voir plusieurs futures mamans. Ah! Bon alors. Oh! Madame, à quand on remonte votre dernier rendez-vous avec votre obstétricien? La semaine dernière, pourquoi? Ah, votre teint, quand votre... j'ai pas eu le temps de lire. Ah, oh, ça suffit, docteur Bonzo, dehors! Elle en peut déjà plus. Oh là là. Allez, au revoir. Oh, c'était qui? Oh, juste un clown. En fait, il est l'un des meilleurs médecins que je connaisse. Ah bon, il s'appelle comment? Quand tu débarqueras à la maternité, le jour J demande le docteur Bonzo. Ok, super. Ah, le cadeau empoisonné qu'elle lui fait, c'est pas très sympa de sa part. Oh là là. Très bien, allez, comme ça ouais, on fera les 3 prochains la prochaine fois. Alors pour Marilyn, une nouvelle vie commence avec moins d'attaches, mais plus de fringales à porter ce qu'elle demande. Bon bah d'accord. C'est vrai qu'elle est enceinte et que son copain l'a plaquée juste avant qu'elle la prenne. Donc ça c'est pas très très cool. Qu'est-ce que je pourrais acheter avec tout mon argent? C'est quoi ça? Antonio connaît d'excellents tours de magie, il est venu pour... Ouais mais on s'en fiche. J'aurais peut-être dû prendre ça en fait. Par contre je comprends pas ce que c'est à faire venir un invité spécial là. Ok, je sais pas trop. J'ai pas fait gaffe. Peut-être que j'aurais dû faire attention à ce qu'il y a derrière la porte à ce moment-là. Alors on va jouer. Regardez l'air satisfait. Bon alors, comment ça va? Très bien, je suis en forme. Le bébé aussi, ça, c'est un garçon en fait. Bah t'as pas de ventre ou quoi? Oh tu vas voir, c'est génial aussi un petit gars. Patrick, tu as un fils depuis à peine 72 heures. Et je chéris chaque minute passée avec mon petit homme. Oh, non mais n'importe quoi. Et genre tu dis ça alors que t'as ta fille dans les bras quoi. Bon comment va Andy? Il est revenu dans ta vie? Non. Je ne tiens pas à me remettre en couple avec lui, mais je t'avoue que j'espérais un peu de soutien quand même. Mais j'ai décidé de prendre le bon côté des choses. C'est grâce à lui que j'ai ce petit miracle de la vie qui grandit en moi. Oh, on sera là pour toi, ne l'oublie pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as juste à nous appeler. D'accord, merci. C'est émouvant. Oh, oui. Très bien. Eh ben écoutez, on va recharger ça. Oh, on va carrément la glace verte. Apporter à Marilyn ce qu'elle veut. Ah, mais du coup, elle m'occupe carrément une place. Tiens, salut toi. Vas-y, fallait faire un petit tour de magie. Et montre à mes abonnés comment tu t'en sors. Ah, très bien. Alors, vas-y. Ouais! Alors attendez. 1, 2, 3. Ah, du coup, ils sont max. Ils sont à fond. C'est génial. Ils sont à fond les ballons. Ils ont le cœur en plus. C'est trop bien. Eh ben, tu vas leur faire pareil à eux. Voilà. Très bien. Allez, et eh ben, on se retrouve à la fin de la journée parce que là, franchement, grand classique. Oui, bah oui, je sais, Marilyn, j'arrive. J'espère que tu vas payer tout ça quand même. Hein. Voilà. Allez, allez. Ben, allez. Oh là là, fin de la journée, c'est hyper compliqué. Je ne m'en sors pas parce qu'il y a plein de cookies en même temps. Et je ne sais pas. Et du coup, voilà, je suis père niqué. Voilà.
Je ne sais pas où j'en suis. Vas-y, donne ça. Oh là là, mais... Oh, en plus, ils veulent tous plein de glace. Je n'ai pas assez de glace. Ça va mal se passer, ça va mal se passer, ça va mal se passer. Alors, attendez, on va faire ça dans l'ordre. Tant pis. Lui, il va s'en aller en n'étant pas content. Mais je m'en fiche de lui. Tant pis, tant pis, tant pis. Ensuite, lui, 1, 2, 3, voilà, je lui donne. Lui, il veut ça. Eux, ils veulent deux cookies. Ils veulent ça. Il va s'en aller, il va s'en aller, il va s'en aller. Au revoir. J'ai une mauvaise réputation. Je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Vas-y, le petit cookie avant qu'il brûle. Un deuxième. Oh mon dieu, je me suis trompé. Mais non, mais vas-y, donne-lui là! Mon dieu, mais j'hallucine. J'ai trop de trucs là, n'importe quoi, qui ne servent à rien. Je t'en supplie, vas-y, va jouer avec eux là. Fais un truc. Vas-y, vas-y, recherche ça, recherche ça. Je me suis fait complètement submerger. À un moment donné, il y a eu trois personnes ensemble qui ont voulu des cookies. Et du coup, le temps de faire et tout. Et ensuite, il y a eu des glaces à la suite. Et je suis arrivé à court de glace. Il a fallu recharger. C'était terminé. Terminé, la défaite. J'ai quand même presque mes trois étoiles. Donc peut-être que je les ai, en fait. J'attends qu'ils nettoient. Et normalement, ça devrait être bon. Oh, oh là là. Ah, c'était tendu, oui. La 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 la. La musique est trop jolie en fait. Allez, on continue. Et puis ça va être déjà la fin en fait de cette vidéo. Ça va être plus court que ce que je croyais. Oh, écoutez cette musique. Ça vous transporte, non? La la, oh la pauvre Marilyn. Les O'Malley sont vraiment des gens bien. J'ai eu la chance de les rencontrer. Au revoir Marilyn. Rien n'arrive par hasard, n'est-ce pas? Marilyn, mais qu'est-ce que tu fais là? Je rendais visite à une amie, j'allais rentrer. En fait, je pars dans la même direction. Ça t'ennuie pas si je fais quelques pas avec toi? Comme tu veux. Bon, ils vont se rabibocher un peu tous les deux. Mais bon, d'un côté, c'est bien pour l'histoire, ça fait plaisir de savoir qu'elle va se retrouver, hein, le copain, etc., le père de son enfant et tout. Mais le problème, c'est qu'effectivement, dans la vie, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi gentil que ça. Mais bon, c'est sympa, c'est un jeu mignon, donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui à vous proposer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever les pouces. Et puis on se retrouve donc très 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 bientôt. Donc surveillez ma chaîne pour Mortimer Beckett, la suite des aventures. Et puis pour le bateau de l'amour avec Emily et Angela. Et puis donc la semaine prochaine pour la fin du miracle de la vie. Voilà, prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui sont chers pour vous. Peace out!